Salut à tous, c'est Jérémy. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'Half-Life 2 épisode 1. On fait le jeu en entier, donc c'est la nouvelle extension. On en était la dernière fois, on en était où? On venait juste d'arriver à Cité 17 en fait, après l'énorme fiasco qu'on avait eu par rapport à la fin de la caverne, là, des bas-fonds, ce qu'ils avaient appelé comme ça. Donc là en fait le but va être... alors je me souviens plus exactement, il faut que j'enlève le gaz, et pour ça il faut que je place des objets, je crois. Plutôt lourd, un peu comme le... Bah, ce qu'on avait fait un peu dans le premier Half-Life 2, là, l'un des premiers let's play qu'on avait fait. Il fallait poser des objets, et il fallait que ça reste là pour faire contrepoids, un peu, tout ça, c'est... Ouais, non, ça a peut-être pas beaucoup marché. Ou alors je le mets en dessous. Si je le mets en dessous... Non mais ça a pas marché. Enfin. Ouais, non, je suis pas sûr que ça me fasse quoi que ce soit, mais... Non, surtout là. Comment j'avais fait? À moins qu'il faille d'autres objets, peut-être plus gros. J'utilise ça. Ou... je sais pas, ou ça... Enfin, en tout cas, faut que ça fasse contrepoids, ça je sais. Pour que, du coup, on puisse accéder à ça. Ouais, j'étais pas loin, c'est dommage, on va essayer de placer l'autre chaise. Et peut-être d'autres trucs aussi si on peut, histoire d'être sûr. Allez. Hop. Est-ce qu'on essaye? On essaye. Ouais, non! Dommage. Putain, j'ai cru, hein. J'ai cru au dernier moment que ça marcherait, mais en fait, non. Ça n'a pas très bien marché. Donc on réessaye. Non. Un peu trop loin, là. Bon, je vais peut-être avoir beaucoup de mal, hein. Non. Alors la chaise, je vais la remettre un peu mieux. Ok, super. Après, c'est barré, tu sais. Non. Tu t'es rebarré, putain de chaise à la con. Bon, c'est encore un petit peu un truc où j'ai à chaque fois du mal. Franchement, j'ai toujours passé beaucoup de temps à faire cet endroit. C'est très chiant, en fait. Mais donc, dès que c'est fait, c'est fait. Voilà, allez, très bien. Donc désolé, hein, j'ai passé un petit peu de temps, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. C'est aussi pour ça que je fais un let's play et non pas un montage, parce que ça montre à quel point on peut galérer sur des conneries. Alors là, voilà, lui il va se lever, il va péter. Boum, hop. Ici il y a des mines. Hop. Alors si la, si le lamineur peut exploser les ennemis, ce serait pas mal. Tiens, viens ici. Ah merde, j'ai pris une claque. Voilà. Très bien, vas-y. Comme ça, j'utilise pas beaucoup de balles parce que j'ai déjà plus beaucoup de munitions de fusil à pompe, je crois. Ouais. Donc c'est pas évident. Je vais passer directement ici. Je vais pas y passer la nuit. Alors ici, il y a le sniper. Ça, je me souvenais. Merde, chier. Ouais, c'est pas... Enfin, c'est pas réellement un sniper. En fait, c'est des tourelles, mais ça fait aussi mal. Donc, de toute façon, c'est pas négligeable. Et à négliger. Il va juste falloir que je me rapproche le plus possible pour avoir des grenades que je n'ai pas évidemment pour le moment. Et buter les mecs. Ou peut-être même pas avoir des grenades en fait. Juste buter les mecs. Meurs, merci. Il y avait un deuxième là-haut. Oui, ça c'est les grenades. Donc il faut que je prenne une grenade. Tac, tac. Vas-y, casse-toi. C'est bon, je les ai toutes là. Bon, on va quand même sauvegarder dans le doute. Ok, c'est bon. Alix, elle peut venir, du coup, voilà. Je vais voir s'il me reste... Bon, lui, il va exploser. Je vais... Non, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Alix, quand tu veux. Alix. Putain. Incroyable. Alors, là, il y a une toute petite phase où elle va se mettre, en fait, à la place du sniper. Et... elle va donc me faire descendre cette échelle. Il va falloir que, en fait, ça va se jouer en une pseudo phase, c'est-à-dire que moi je vais avancer pendant qu'elle, elle va essayer de m'aider, enfin de m'aider, pseudo m'aider, parce que bon, vous avez vu comment elle est forte avec son petit flingue de près. Alors je vous laisse imaginer avec un fusil sniper. Elle va essayer de m'aider un petit peu, tant bien que mal, par rapport aux ennemis qui vont me tomber dessus. Donc on va voir comment elle va se débrouiller. Quand tu veux. Moi, je t'attends.
Ouais, ça marche. Donc là, le loquet, elle va arriver à le toucher. Ça va, c'est pas trop compliqué. Enfin, le loquet, ouais, l'échelle, elle appelait ça le loquet. Donc là, il y a pas mal d'ennemis. Je vais tomber sur pas mal de monde. Est-ce que j'étais... Non, j'ai toujours pas de munitions. Donc là, il y a du monde. Ici, il y a du monde aussi. Voilà. Ici, il y a un zontel, carrément. Alors, le but, pour éviter de crever, en fait, ça va être juste de... Voilà. Il faut qu'ils me foncent dessus. Il faut qu'ils évitent de me buter, en fait. Voilà, là, j'ai vu les pires. Je crois que, de toute façon, il va encore y en avoir pas mal. Voilà, c'est bon, on les a tous eus. On va pouvoir avancer. Je crois que là, il y a quelqu'un. Voilà, ça est bien. Je me rappelle de toi, petit con. Je vais prendre des munitions de petits pistolets. Parce que c'est mieux. Là, il y a du... Non, il y a personne, là? Non, il y a personne. Alors là, il y a du monde, ça, je sais. Voilà, donc, en fait... Cette séquence-là me rappelle très étrangement, juste ce couloir-là me rappelle super bien Ravenholm, avec l'espèce de couloir aussi un peu où il y avait plein de zombies qui arrivaient juste après là. Et c'est vrai que souvent je confonds les deux en fait, les deux phases entre les différents jeux. Si tu pouvais exploser, voilà merci, le pire de tous. Le Zontel qui arrive là-bas aussi ce serait cool. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Merci. Très aimable. Bon. Maintenant qu'elle les a tous eus, parce que généralement je faisais le bourrin en fait et je me précipitais et puis je me faisais avoir évidemment. Ah, j'ai des munitions, ça c'est bien. Ici il va y avoir du monde je pense. Non, même pas? Ah non, même pas. Alors là par contre je vais avoir du monde. Non seulement des fourmilions mais aussi des zombies. Non. Bah, je vais pas dire de conneries mais je crois que je vais aussi avoir des zombies. Par contre il y a aussi des ennemis. Ça je me souvenais plus. Ah ouais, je suis mort carrément en fait. Alors on va pas la jouer comme ça. Il faut en fait que je lui laisse le champ libre pour qu'elle tire sur les ennemis. Donc du coup il faut que j'enlève les plaques. Mais en fait en faisant ça... Le problème c'est qu'il faut que je fasse non seulement ça, voilà il faut que je bouge aussi. Mais j'avais zappé un peu le... J'avais zappé un tout petit peu les ennemis qui étaient là. Alors je me souviens plus, là je vais devoir l'attendre. Alors il faut que... Hop, je vérifie qu'il m'arrive pas des merdes à côté, au cas où. Voilà, là je désenflamme. Ce que j'aime bien. Ah ouais, là ça se referme, il y a du monde qui va arriver. J'ai que ce flingue là en fait. Ici j'ai pas... Non, j'ai toujours pas de balles. Voilà. Tu veux, tu m'aides, Alix. Merci, ok c'est bon. Donc là, j'ai tout bien. J'ai plus qu'à l'attendre. En fait, il faut qu'elle arrive. Il faut qu'elle parte de là-bas. En fait, elle vient de me couvrir du coup le temps qu'elle sorte de son fusil, qu'elle vienne me rejoindre, tout ça. Ben voilà. Et en fait, elle arrive à sauter quand même, hein. Donc elle arrive à escalader tous les trucs et tout. Gordon Freeman, c'est une daube, mais elle arrive à sauter. Elle est trop forte. C'est une Yamakasi des Cités 17 en fait. Ok. Alors, je crois qu'il faut exploser les ennemis. Bien que mal. Oh, ils sont tous morts, c'est bon. Donc là, alors je me souviens plus exactement de ce qui va suivre. Bon, on se rapproche doucettement de des séquences un petit peu plus sympas au niveau Cité 17. Là, la fusion du réacteur, elle a repris. Donc, bah, ça augure rien de bon. Quand tu veux, tu te bouges. Voilà. On va avoir quelques séquences. Avec, je sais plus, c'est pas une sorte d'hôpital en fait, c'est des couloirs un petit peu bizarres. Avec des zombies du cartel, et on va voir notre premier pseudo-boss, si on peut appeler ça un boss. Donc voilà, c'est où... Ah, bonjour! C'est une arme super pratique. Bon, tu l'as eu? Ok, on a eu tout le monde. Bon, très bien. Attends, j'ai pas compris. Ah putain, c'est... Ah, j'ai la nouvelle arme du cartel. Tac, tac. Non, ça je m'en fous. Ça je veux. Ouais. Attention. Ok.
vous êtes sérieux là, j'ai mis une double, il est même pas mort le mec. Il est où? Voilà. C'est bon, tout va bien. Un petit peu de vie, un petit peu de bouclier avant de repartir fraîchement. Donc on va essayer de faire plutôt ça rapidement aussi, tout ce qui est les couloirs avec les zombies. Mais limite c'est pas très très grave parce que c'est des zones... Merde, j'ai déjà toutes les munitions, je suis con. C'est des zones plutôt faciles à faire en fait. Dans le sens où il y a de la lumière, il y a des endroits où se cacher, merde. Il y a pas mal de choses en fait à disposition. Du coup c'est plutôt pratique. Ah oui, bah là il y a le premier boss. Ah bah on va essayer de se le faire, voilà. Déjà, avant la fin de la vidéo, on va essayer de se faire ce petit boss là. Alors, en fait, il faut que je fasse, c'est la reine des Antillions. C'est exactement la même chose que ce que je m'étais tapé la dernière fois dans le sable. Merde! Brutti, si je me rate déjà, ça va vraiment pas aller. En fait, il faut vraiment pas que je me rate. Voilà, tac, ensuite. Tac, ensuite. Tac, voilà. Ça va déjà mieux. Là le problème c'est que je vais me faire attaquer, alors je vais laisser les mecs se démerder un tout petit peu avec les ennemis. Et dès que vraiment j'aurai du mal avec lui, voilà, je vais foncer. Il est où? Wow wow wow, putain tu m'as fait peur. Merde, t'es chiant. Oh putain, ah non c'est pas une bonne idée ça. Ouais, ça je me disais bien, c'est pas une bonne idée. Non par contre, non là c'est encore moins une bonne idée en fait. Non, ouais, d'accord, ok. J'avais sauvegardé où? Ici, ouais. Non, mais alors vas-y. Tac. Oh putain, merdouille! Voilà. Ah bah c'est bon, il est mort, non? Oh putain! Vas-y, meurs! Ah oh, non, c'est abusé! Jamais il meurt! Ok. Ah, oh, mais c'est incroyable! Je me rappelais pas qu'on galérait autant pour buter ce mec. Ah bah il est mort, c'est bon. Elle a fini par le buter, ok. Bon, j'ai un petit peu galéré, je dois bien avouer. Mais c'est pas grave, on l'a eu, on a fini par l'avoir. Ah, il faut mettre... oui, comme d'hab. C'est où qui pop? Il pop là. Et là. Ici, ça va popper aussi au niveau des ennemis. Ça, je sais. Et on va prendre la tourelle d'ailleurs. Vas-y, tu peux pas me laisser la tourelle s'il te plaît. Voilà. Donc je pense qu'on fait la petite séquence qui est là avec les tourelles et les ennemis divers et variés. Puis on s'arrêtera là, je pense. Avant la prochaine phase. Là on va attendre que les ennemis nous pop sur la tronche. Non ? Bah alors ? Viennent des toits, mais je sais bien, mais c'est quand qu'ils arrivent? Ah d'accord, bah dis donc, ils ont mis du temps à arriver les mecs hein. Toi, toi. Ok, on va essayer de buter les ennemis assez rapidement. Bon, on va avancer, sinon on va y passer la nuit. Par contre je crois qu'il y a du monde qui va arriver juste là. Voilà, des missiles, ça c'est très bien, c'est mes potes. On vient juste découvrir qu'il y a des potes qui sont encore vivants et qui peuvent nous aider dans la résistance. Donc écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là. La prochaine fois, on se fera la suite de notre let's play, on essaiera d'avancer encore un peu plus. Avec les trucs du cartel, tout ça, puis plus l'avion aussi. Enfin pas l'avion, le premier truc renfort aérien. Et puis bah écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Et puis, salut.